Puis la bande sonore était vraiment écœurante, là. C'est le genre de musique que j'aimerais écrire pour elle. Elle était tellement parfaite, là, je veux dire, ça collait avec l'image, puis je m'attendais juste pas à ça. Hey, merci vraiment de m'avoir amené, là. C'était vraiment cool, j'ai pas souvent l'occasion de sortir puis voir des trucs dans le genre. Ça fait plaisir, là. Puis tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, mais avec l'école, je suis pas mal occupé, là, puis j'habite pas à côté, la route est longue. Tu travailles-tu encore au Méga Musique? Ah non, les boss étaient des caves, j'étais plus capable. Bah, c'est pas si grave, là. Puis j'imagine que tes parents t'aident un peu pour la part. Ouais, ils veulent, mais ça me tente pas. Tu sais, c'est comme l'école de musique, c'est cher, mais j'ai envie d'essayer de payer par moi-même. Hey, en parlant de ça, là, j'ai vraiment aimé la toune que tu m'as envoyée. Sérieux, tu m'épates, là, je m'attendais pas à ça. Ah ben merci, t'es fin, là. T'es pas mal le seul qui écoute ce que je fais, là. Anyway, on va-tu prendre une bière? Ah, j'aimerais ça, mais je peux pas, là. J'ai dit à ma blonde que je rentrais après le film, puis j'ai de l'école demain. Je te ramène chez toi? Non, là, je vais marcher sans me faire du bien. Ah, j'ai vu Fred hier. Ah ouais? Il est pas tant brossé ici, là. Ah non, il a plus vraiment le temps avec l'université. Ouais, pis que vous avez fait? T'es allé au cinéma. On a vu un film suédois, là, c'était vraiment bon. C'est en seminaire. C'est l'histoire d'une fille qui s'était manipulée par sa famille. C'était cool. Hey boy, avec un film de fun de même, vous avez dû passer un petit peu de temps à frencher, hein? T'es un vrai symbole de raffinement intellectuel, Joe. Tu peux me le dire, hein, si ça tente pas de jouer. Parce que là, ça devient un peu facile. Oh, calme-toi, Carl, là. Je vais juste t'occuper un petit peu avant d'aller travailler, tu sais. Je sais que toi, tu fais pas grand-chose de tes journées, hein? Ça va-tu me porter au cégep? Non, pas le temps. Tu t'arranges là, mon gars. Ok, je vais m'arranger. On part de sa conférence sur le gluten, puis il y a des billets pour nous. On n'est pas déjà allé l'an passé? Ouais, mais ça a vraiment changé. Je pense que ça va être super intéressant. C'était comment ton film avec Carl? C'était vraiment intéressant. C'est un film suédois, puis ça parle d'une fille qui se fait manipuler par sa famille. Pis on la voit grandir là-dedans. J'étais content de voir Carl. Leur vieille cochonnerie, là. J'ai rien qu'eu besoin de dire qu'on manquait de rangement pis sont venus porter ça. Il l'a acheté en plus, je pense. T'aurais aussi pu leur dire qu'on manquait de bière. On les aurait peut-être apporté une 24. Mais, je pense qu'on en a assez pour asseoir. Et ça t'arrive pas des fois de te tanner un peu pis d'avoir envie de faire d'autres choses que juste d'inviter du monde à se saouler? Ben, je sais pas, là. On a du fun pis on boit pis... Mais c'est pas ça là, c'est juste... Tu t'ennuies pas à tout le temps faire la même affaire. Je trouve ça déprimant, tu sais.
Makita, je peux driller dans la brique. J'achète plus de stock, puis je vais le piler en Afrique. Génératrice pour alimenter mon penseur d'affaires. Les penseurs d'affaires, on a fait tout ce qu'ils ont peur d'affaires. Pour démarrer ma festoule, ou du jet fuel. On fait du marteau piqueur en buvant du Red Bull. Des capeurs, man, photo. Appelle les anticipateurs, tu donnes une panne d'auto. C'est sûr que c'était pas distance mineure, mais c'était bon pareil. Ouais, non, c'était correct, là. L'histoire était bien ficelée. Puis ta première semaine d'école, c'était comment? C'est tellement tout ce que j'ai toujours voulu, là. Il y a juste l'affaire qui me gosse. Yeah, je sais ce que tu vas me dire, là. Fais-toi-en pas avec ton indépendance, ça va venir. Ben, dis-toi que ça t'a permis de t'acheter ce char-là pour cet été. Ah, man, ça va être le trip de nos vies, là. Je te le dis, ça va tout changer. To create